Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre depuis la présidence où le chef de l'État se prête une fois de plus à l'exercice de l'entretien télévisé. Un an d'accession au pouvoir, plusieurs chantiers entamés, d'autres poursuivis, des changements dans la configuration diplomatique des relations et ce qui retient encore plus l'attention des Burkinabés, le volet sécuritaire et l'espoir, Monsieur le Président, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Nous évoquerons autant de sujets et bien d'autres. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Et pour mener à bien la tâche qui nous a été assignée, je suis avec mes confrères Patenema Oumar Ouedraogo des éditions Sidoya et Ismaël Ouedraogo de la télévision Burkina Info. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, Monsieur le Président. Excellence, cela fait une année que vous êtes dans le fauteuil présidentiel. Jeune capitaine de 35 ans qui ne s'était pas tracé un destin politique. Et depuis votre arrivée, à l'image des récents événements que nous avons connus, chaque jour pratiquement a été jalonné par des questions d'État. Excellence, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui et comment est-ce que vous vivez tout ceci? Depuis le premier jour, nous avons dit que nous avons été révoltés par des faits, ce qui a conduit donc à entreprendre ces actions. Le peuple a bien voulu, depuis ce jour, nous confier donc la destinée de cette nation, chose que nous assumons pleinement. Certes, ce n'était pas l'objectif, comme vous l'avez signifié, mais la mission est sacrée, on nous l'a confiée, et nous avons juré de mener à bien cette mission. Donc, on se sent de plus en plus réconforté tant que le peuple est avec nous. Et cette mission, on va la mener à bien. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était le 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, les gens peuvent, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Même à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. C'est-à-dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. C'est fini. Monsieur le Président, des sous-officiers, des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout, parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout,
ce qu'ils ont pris ou bien les serments qu'ils ont prêté avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens soient intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Excellence, l'un des gros sujets d'intérêt pour la population, c'est bien la question sécuritaire, la sécurité et la défense. Une année après, le Burkina qui continue d'essuyer de lourdes attaques, comme on l'a vu à Conakry il y a quelques semaines. Alors, 53 morts, ce fut énorme, monsieur le Président. On aimerait un peu comprendre ce qui s'est réellement passé. Les batailles, il y a des morts. Mais 53, on trouve ça trop. Sûrement que quelque chose n'a pas fonctionné. Les enquêtes sont en cours aussi. S'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné à notre niveau, qu'on puisse régler ça rapidement. Mais il faut reconnaître que Combri, c'était une action audacieuse. C'était très audacieux parce que c'est une zone qui a été abandonnée, qui était sous contrôle terroriste. Donc, vous savez très bien, depuis 2021, personne n'y a mis pied. Il faut y aller. Toutes ces zones où on est absent depuis des années, nous allons y aller. Ce sera des batailles très dures, il faut s'y attendre. Mais nous sommes là pour ça, il faut qu'on y aille. Alors pour rester dans cette région, Tangaï, c'est une des communes rurales qui a été reconquise il n'y a pas très longtemps, avec à la clé l'installation d'une base militaire et même le retour des populations. Sur le terrain, vous pourrez le constater. Voilà. Il y a des choses même que nous voyons souvent qui ne nous plaisent pas forcément. Parce qu'il arrive que certains communiquent, on a reconquis tel village, les gens ont rejoint. Peut-être que d'autres personnes contestent ça, notamment sur vos plateaux télé. Mais ça constitue des victoires pour vous. C'est symbolique en termes de victoire pour vous, naturellement. Je suis d'accord, mais vous voyez ce qui se passe. Lorsqu'il y a ce débat-là, d'autres disent oui, c'est reconquis, d'autres disent non. Les villageois se mettent à se filmer eux-mêmes dans leur village pour prouver que c'est reconquis, et les voilà au marché, ainsi de suite. Bon, nous, dans notre stratégie, je dirais, ça ne nous plaît pas trop. Nous voulons que ça... Ceux qui veulent le constater, ils peuvent aller sur le terrain. Il y a des zones aujourd'hui où vous partez, vous circulez. Donc c'est mieux que les gens aillent constater. Mais on ne veut pas que les gens s'exposent en se filmant et puis en montrant. Le Premier ministre a dit il y a quelques mois qu'on était à 60% de couverture du territoire. Quelques mois plus tard, nous sommes à un an de votre pouvoir, du MPSL2. Vous pouvez quand même donner une idée de la reconquête du territoire burkinabé à l'ensemble des citoyens qui nous regardent. Il n'y a pas cette partie du Burkina où nous ne pouvons pas mettre pied. Les populations de Djibo, de Dori qui nous regardent diront « Nous sommes sous blocus, il faut des convois pour venir vers nous. » Oui. Même si demain nous sommes à 100%, on fera peut-être des escortes. On va protéger nos itinéraires. Parce que c'est une guérilla, c'est une guerre. Deux, trois, quatre individus sortent et voilà, commettent des dégâts sur quelques camions et puis ils disparaissent. Et voilà, donc on va toujours protéger nos itinéraires, on va toujours escorter nos commerçants et tous ceux qui se déplacent. Alors l'une des plaintes, c'est le temps que ça met. Je prends l'exemple de la ville de Nouna qui a été ravitaillée rien que le mardi. Mais là, on a mis pratiquement un mois pour ravitailler cette localité-là. Bon, peut-être le délai est dû peut-être aux conditions du terrain. Avec la saison, peut-être c'est pas facile. Et la planification des missions, donc dans ces... Une situation là, c'est pas aussi simple. Mais ce sont les choses qu'on va rattraper. Alors, Excellence, une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que, au regard de la configuration des choses dans la lutte antiterroriste, vous êtes toujours dans la pensée que les armes seules suffisent à vaincre le phénomène? Nous ne sommes pas dans les armes seules. Nous sommes dans la communication aussi, n'est-ce pas? On a fait comprendre que nous connaissons le problème et que des gens devraient s'abstenir de se lancer, donc, dans ces mouvements-là, parce qu'on sait ce qui a amené les gens à prendre les armes, éventuellement à rejoindre les camps de ces criminels-là. Ça, c'est de la communication. On a assez communiqué pour les dire de se soustraire de cette lutte-là, parce que nous savons ce qui a amené ça. Voilà, on a sensibilisé beaucoup. Ça, ça fait une partie. Les armes, ça fait bien sûr partie. Et il y a le développement aussi. Donc, nous avons lancé les deux volets en même temps. On crée de l'emploi, on crée des opportunités. C'est ça l'objectif. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix? Démarches souterraines, je ne sais pas. Je parle des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés. On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes. Et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. C'est pour ça justement qu'on parle sur les antennes, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas la bonne formule et qu'ils doivent arrêter. Mais si les gens ne déposent pas les armes,
Voilà. On passe par la manière des armes aussi. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. La guerre n'a pas encore commencé? Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Les opérations sont plus aériennes et souvent aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis, que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Pendant que ça fait des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soutes. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 kalachnikovs en réserve. Pour l'ensemble des territoires burkinabés? Bien sûr. 200 kalachnikovs? Il n'y en avait pas en réserve dans les soutes. On a envoyé des missions, aller vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes. Allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. Ce n'était pas nous en son temps qui allons sortir et dire « Ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça. C'est une information qu'on donne aux terroristes. » Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que nous avons au moins ça, 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Donc... Excellence, si à quand pourrons-nous véritablement estimer le début de cette guerre? Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu quand même de l'équipement qui est venu. Nous sommes à l'introduction. Mm-hmm. Voilà, donc vous qui avez atteint le développement maintenant? Oui, ne vous en faites pas. Vous ferez partie des grosses missions dans les jours à venir. Avec plaisir, Excellence. Je voudrais qu'on reste là-dessus une fois encore. Vous avez dit au début, c'était des petits problèmes logistiques et de considération de la vie humaine. Est-ce qu'une année après, vous maintenez les mêmes propos? Je dirais pire que ça. Parce que nous n'avons pas compris comment on n'a pas pu s'équiper, avoir un minimum pour faire la guerre. On était très surpris de voir qu'on n'avait rien. Même le côté logistique, les gens quittent, lorsque vous voulez organiser des opérations dans un groupement, vous quittez Kaya ou Bobo pour venir à Ouagadougou. Vous gagnez quelques 5-7 pick-up, vous êtes content, vous repartez, vous faites, et vous venez réintégrer ici. Aujourd'hui, aucun groupement ne vient à la portion centrale pour chercher ses moyens. Ils ont tous leurs moyens, ils font leurs opérations. C'est en un an. N'est-ce pas l'occasion pour vous de faire la lumière sur l'audit au niveau des forces armées? Parce que vous avez dit qu'il n'y avait rien. Tout cet argent qu'on investissait, finalement, dont on parlait, est-ce que vous êtes prêt à faire toute la lumière? Parce qu'il faut quand même faire un audit pour comprendre pourquoi on n'avait pas des armes alors qu'on était en guerre depuis près de 7 ans. Il y a une justice militaire. Et il y a même la justice civile. Il y a beaucoup de structures de contrôle. Nous avons donné le temps. Et je pense que on est même allé loin. Vous avez vu entre-temps une réorganisation dans la justice militaire. Est-ce que vous avez cherché à comprendre ce qui s'est passé? On va même réorganiser parce qu'il y a des dossiers qui sont là-bas. On dit qu'il faut que ça avance vite. Il faut que le Burkinabé sache ce qui se passe. Les officiers milliardaires en question, vous en avez parlé. Est-ce que vous allez les traquer jusqu'à leur dernier retranchement afin qu'ils rendent au peuple ce qu'ils ont pris indûment? Ce que je souhaite, même, ce n'est pas les officiers seulement qui sont fautifs dans cette affaire. Il y a des militaires, il y a des civils. Vous savez très bien. Vous savez qu'il y en a qui ont été découverts, mais est-ce qu'ils ont été jugés? Rien. Allez-y aussi demander à la justice, faites vos enquêtes, demandez-leur quelle est la situation. Parce que je pense que lorsqu'il y a des situations comme ça, il y en a même qui ont... Voilà, il y a des structures de lutte contre la corruption qui ont porté plainte contre certains individus dans ce pays, allant dans ce cadre-là, mais il n'y a rien eu, non? Excellence, on va s'intéresser également à celle au sein de l'armée. C'est un aspect qui vous tient à cœur, mais il y a également un volet important sur la cohésion et l'entente au sein de cette armée. Bien avant votre arrivée, plusieurs observateurs avaient fait cas de division et de gestion clanique au sein donc de notre armée. Mythe ou réalité? Et si réalité, est-ce que vous êtes parvenu à restaurer la cohésion? Ce que je vous dis, la question de cohésion, il faut le prendre sur plusieurs angles. D'abord, on a dit une armée qui combat par, nous on aime dire par cotisation, c'est compliqué. Quand on dit unité, je pense que c'est du français. L'unité, ça fait un. Mais l'armée, c'est des unités. Mais on n'avait pas d'unité en tant que telle. Juste quelques unités constituées. Donc il fallait se réorganiser. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bataillons. Des hommes qui sont ensemble, qui se connaissent très bien et qui travaillent ensemble. Ça déjà, c'est la cohésion commence par ça. Lorsque vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous affrontez le terrain ensemble, vous ne pouvez qu'être unis. Donc nous sommes dans cette phase et tous les combattants sont unis.
Ils sont dans des unités et ils sont en bonne cohésion. Ce que vous entendez un peu par-ci par-là des problèmes de cohésion, je dirais que ce n'est pas des problèmes en tant que tels. Voilà, c'est des individus. Vous savez, il y en a qui ne croient pas du tout qu'on peut aller nous-mêmes. Pour vous dire clair, lorsque nous avons décidé de nous séparer de certains partenaires, il y a des officiers qui ont carrément écrit, les fiches sont là. D'autres sont venus nous voir, on ne va pas tenir un mois. Tant que c'est... En fait, ils sont pessimistes, ils ne croient même pas en eux. Donc ces gens vont véhiculer des messages. Voilà, en ville et tout, il y a problème de cohésion, on n'est pas d'accord avec ça. Non, on tient. Quel avenir pour la gendarmerie nationale? Comme vous êtes là, vous pouvez le dire publiquement devant les citoyens. Elle va exister, il n'y aura pas de projet éventuellement au niveau de la gendarmerie? Qu'est-ce que la gendarmerie a fait de mal? S'il y a des individus à la gendarmerie qui font du mal au peuple, ils vont répondre. Voilà. Si demain c'est toute la gendarmerie, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est quelques individus à l'intérieur de la gendarmerie qui sont manipulés. Donc vous le rassurez, la gendarmerie ne sera pas dissoute comme le disent certains langues. Qui vous a dit ça? Beaucoup de choses se disent. C'est une guerre de communication, c'est une guerre psychologique. Donc, vous savez, les gens sont très intelligents dans le mauvais sens. Voilà, c'est des fuites en avant. Ils s'imaginent ce qu'on va faire si jamais. Voilà, donc c'est des... Je dirais aux gens de ne pas s'intéresser à ces propos-là. Voilà, on sait ce qui se passe. C'est des gens qui sont intelligents, mais dans le faux montage. Les détachements militaires burkinabés, on en parle, Excellence, parce qu'il y a eu des attaques. On a des victoires aussi, c'est la guerre avec des défaites aussi. Quel est le point des détachements militaires actuellement au Burkina Faso? Le point, c'est-à-dire au niveau du maillage du territoire. Oui, les détachements ont toujours existé, mais le maillage, je ne parlerai pas des détachements, c'est le nouveau redécoupage. Nous avons redécoupé en 6 groupements et nous avons souhaité que les groupements soient autonomes. Ce que nous essayons de faire en moyens logistiques, armes, munitions, tout. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui un groupement pour faire ses opérations n'a pas forcément besoin de venir à l'arrière pour demander quoi que ce soit. Ils ont tout le nécessaire à leur niveau, ils sont autonomes carrément. Sur le côté financier, ils sont vraiment autonomes. Voilà, donc c'est ça le plus important. Et chaque groupement gère les détachements. Ils peuvent déplacer certains détachements ou créer d'autres. C'est eux qui repositionnent pour savoir quels, en fonction des couloirs d'infiltration et tout, où est-ce qu'ils vont se positionner. Excellent. Je vais vous poser une question sur les soldats. Est-ce que vous avez prévu d'améliorer leurs conditions opérationnelles sur le terrain, que ce soit sur le plan matériel, mais sur le plan financier également? Sans vous mentir, moi j'ai un rêve pour le soldat. Et je vais vous dire clairement, ce sont des gens qui se sacrifient pour cette patrie-là. C'est ce qu'on a essayé de faire pour les VDP, améliorer un peu. Vous savez que le soldat aujourd'hui, sa solde indiciaire, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes soldats. Hein. Et à la retraite, il y a des soucis. Ce sont des choses. On veut faire la guerre, récupérer nos terres et exploiter nos ressources. Et je pense que quand l'économie se portera mieux, on va revoir la condition du soldat. Il faut qu'il vive bien et qu'à sa retraite, il puisse vivre dignement. Voilà, même les questions de logement et tout, on y réfléchit, on a déjà beaucoup de plans. Et pour ce qui concerne également les VDP? Nous avons déjà fait un petit effort. Je pense que les VDP, ce n'était pas payé à ce coût-là. Vous étiez à 20 000, vous êtes passé à 60 000 aujourd'hui. Voilà, c'est largement au-delà du SMIC. Et on compte aller plus loin. Voilà, mais je dis, tout dépend de la situation économique du pays. Plus on reconquiert et qu'on arrive à entretenir l'économie, voilà pourquoi je dis les deux vont ensemble. On va améliorer leurs conditions. Les VDP, ce sont des gens, c'est des civils comme vous, qui ont quelques jours de formation, mais ils acceptent d'aller se sacrifier. Mais est-ce que vous avez prévu d'améliorer au moins, parce que les familles des VDP aussi commencent à donner de la voix sur cette question-là? Oui, c'est des réflexions qui sont en cours, même les 10 millions de soldats, c'est des réflexions qui sont en cours. Ah, vous voulez augmenter ça maintenant pour les familles? Non, pas question d'augmenter, il faut réfléchir à l'emploi. Oui. J'ai vu des reportages où les familles se font la bagarre pour ça. Et c'est pas intéressant, et on connaît aussi beaucoup de familles de soldats tombés qui peinent à pouvoir rentrer parce qu'il y a des conflits. Ça, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'on réfléchisse à une formule pour que ça puisse bénéficier à la famille du soldat. Et on va réfléchir à la même formule pour les familles des VDP. Une formule juste qui ne va pas heurter les sensibilités africaines parce qu'il ne faut pas que l'argent soit objet de division. Excellence, l'opinion s'intéresse également à la coordination du travail sur le terrain entre FDS et VDP parce que de plus en plus, on a le sentiment que les VDP tombent beaucoup plus au front. Et l'opinion aimerait savoir comment est-ce que tout ceci est organisé.
Il y a une bonne collaboration. Pour la plupart du temps, tout se passe très bien. Ils évoluent ensemble. Voilà. C'est quelques localités où il n'y a pas de... C'est rare qu'il y ait des localités où il n'y a pas de FDS. Soit il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a des localités où il y a l'armée. Donc ils sont encadrés sur la plupart des, voilà, des opérations. Mais ce n'est pas une statistique à faire comme ça, parce qu'ils sont peut-être plus nombreux que l'armée. Plus voilà. Nombreux que l'armée. On a plus de VDP que de militaires. Vous croyez qu'on a combien de soldats? Quel était l'effectif de l'armée bon, avant que nous on arrive? Allez-y chercher. Si cette année seulement on a fait un recrutement de quoi? 11 000 soldats. C'est totalement une armée. C'est parce qu'on avait un problème d'effectif. Alors, est-ce que vous êtes arrivé d'entendre que les VDP ou les FDS refusent d'aller au front? Refuser d'aller? Oui. Jusque-là, on n'en a pas vu le cas. Je pense qu'ils sont plus motivés à partir. Quand on a commencé la formation des VDP, il y a quelque chose même qui se passe qui est très intéressant depuis qu'on a commencé à former les VDP nationaux et tout. Il y a des militaires même qui veulent évoluer aux côtés des VDP. Ils veulent aller avec eux et il y a beaucoup de bataillons mixtes qui sont en constitution actuellement et ils s'entraînent. Il y a des militaires et VDP ensemble, ils s'entraînent durement et ils partent. Donc il y a de l'engouement quand même. Et quand on veut les envoyer quelque part, voilà, ils n'hésitent même pas. Actuellement, chacun, tous ces VDP qu'on a recrutés, formés, vous savez qu'au début, on se disait qu'ils n'allaient pas supporter le gilet et tout ça là. Bon, quelqu'un qui n'est pas habitué, qui n'est pas, voilà, ça peut faire bizarre. Mais ils ont demandé à avoir les gilets casques. Certains croyaient qu'on n'allait pas avoir pour tout le monde parce qu'on a vu la polémique se monter. Tous ont des gilets, des casques, des trucs de protection, tous. Et ça les motive en fait, tout ça, à se lancer. On a des jeunes qui dorment à la place de la nation, qui ont même lancé des messages au capitaine Traoré pour dire « Nous, on veut défendre notre pays, la pluie, le vent nous trouve là-bas. » Vous êtes au courant de ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Oui, je crois qu'entre-temps, on m'a rendu compte, je ne sais plus, il y a un mois de cela ou deux mois, qu'il y a des jeunes justement qui dormaient donc à la place de la nation pour défendre. L'instruction a été donnée donc de les prendre et on m'a rassuré. Ils sont, soit ils ont fini leur formation, ils sont toujours en formation. On les a récupérés. Mais bon, on avait dit aux gens de patienter parce qu'on allait lancer encore. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a toujours de l'affluence. Voilà. Mais il faut reconnaître que les Burkinabés sont engagés pour défendre leur terre. C'est ça le plus important. Et c'est cet éveil-là qu'on cherchait. Les gens ont compris et on rend grâce à Dieu. Et aujourd'hui, que peut-on faire comme point du recrutement et de la formation des contingents? Oui, je vous disais que cette année seule, quand on prend l'armée des terres, on est à 11 000 qu'on a recrutés. La plupart sont en MCO, ce qu'on dit MCO, c'est les phases avant l'engagement. Ils font une mise en condition opérationnelle, c'est-à-dire un entraînement particulier intensif. Donc, quand ceux-là vont s'engager, voilà, on pourra passer au développement. Côté gendarmerie, il y a eu des gendarmes auxiliaires qu'on a décidé de recruter. La première vague a fini 1400, il y a au moins 1500 encore, donc ils étaient 3000 en tout. Côté eau et forêt aussi, vous avez dû remarquer, il y a un recrutement spécial de 4000 qu'on a lancé. Même au niveau des policiers, je pense que vous avez vu leur réorganisation. Voilà, on a regroupé en Goumi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le groupement mobile d'intervention, qui sont déployés un peu partout, à qui je rends hommage d'ailleurs au passage, qui sont engagés, fortement engagés, parce qu'avant, ils n'avaient pas peut-être un certain type d'équipement qu'on refusait de les donner. Actuellement, ils ont tout. Donc voilà, on recrute et on réorganise et on avance. L'Assemblée nationale a donné son quitus pour l'envoi d'un contingent au Niger. Alors est-ce que cela ne contribue pas à disperser les forces au niveau du Burkina? Non. Je pense que le débat s'est tenu là-bas et les arguments ont été assez suffisants. Lorsque vous devez défendre le périmètre de cette table, vous ne restez pas normalement sur la table pour défendre. Vous partez au-delà. Si on avait... Nous, on avait soutenu le Mali depuis les années 2012. Si on avait soutenu le Niger, vous croyez que le terrorisme serait arrivé là? Je ne pense pas. On est resté bras croisés, ça n'arrive qu'aux autres. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'États autour font aussi. Je crois que ça ne va pas les arriver. Non, on fait des erreurs. D'abord, donc, sur ce point seulement, la meilleure manière donc, de se défendre, là, c'est d'aller un peu au-delà. C'est d'ailleurs l'argument que certains États occidentaux avancent, qu'ils viennent ici pour combattre le terrorisme, pour que ça n'arrive pas chez eux. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est un peuple frère qu'on veut agresser. Il n'y a pas de raison que nous on reste les bras croisés. Si on laisse déstabiliser le Niger, tout le monde a suivi pour la Libye. C'est ça qui a déversé toutes sortes d'armes ici. Voilà, le terrorisme s'est amplifié. On va encore laisser le Niger se désintégrer.
faut qu'on raisonne. Non. Excellence, en dehors de la question de la solidarité africaine que vous êtes en train d'évoquer, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que nous avons véritablement ces moyens d'aller au secours du Niger? Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà suffisamment affaiblis? Est-ce que nous avons les moyens, y compris en hommes, en finances et en vivres? Quand on parle là-bas, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas forcément le Niger qu'on parle, c'est pour nous-mêmes d'abord. Il faut qu'on les aide. Si le Niger est déstabilisé, le Burkina, c'est foutu. Aujourd'hui, nous arrivons déjà avec... On n'est pas déployé d'abord, mais on fait beaucoup de choses ensemble. Rien que la semaine passée, les vecteurs aériens ont opéré en parfaite symbiose pour détruire une colonne que les Nigériens ont vu quitter vers chez eux en rentrant chez nous ici. Et nous, nos appareils sont intervenus, leurs appareils sont intervenus, tout a été bien coordonné pour... C'est ça qu'on demande. Et il faut qu'on cède comme ça entre pays voisins. Et finalement, voilà. Qui paiera cette note? Qui paiera cette note? Non, ce n'est pas une note particulière. De toute façon, sur notre territoire, on fait des opérations. Il n'y a rien de particulier si les soldats se retrouvent de l'autre côté de la frontière pour faire la guerre. Le 16 septembre 2023, donc, il y a eu la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce là un processus vers la fin de la CEDEAO ou le retrait de ces trois pays de la CEDEAO pour une certaine autonomie? L'AES, c'est une défense en commun. Nous avons décidé d'unifier nos espaces. Aujourd'hui, peu importe la situation au Niger, aussi au Burkina ou au Mali, on peut bénéficier l'un comme l'autre du soutien de ce partenariat-là. Donc c'est ça d'abord le plus important pour nous, parce que nous, ce qui nous préoccupe, c'est la question de sécurité, nous sommes en guerre, et c'est ça qui nous préoccupe d'abord. Le reste, ça viendra. La CEDEAO et l'AES? La CEDEAO est là. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas quitté la CEDEAO. Mais l'AES est une alliance de défense. Que peut-on retenir de l'état de nos relations avec la Côte d'Ivoire lors des changements intervenus au Niger et avec les différentes décisions de la CEDEAO? On a vu deux pays qui ont adopté des postures totalement différentes. Il n'y a pas de problème particulier. Je pense que même demain, les peuples burkinabés et ivoiriens, on est ensemble, hein. Il n'y a aucun problème. Mais les politiques peuvent différer, comme sur ce cas précis où les politiciens ont décidé une certaine posture. Nous aussi, nous sommes dans une certaine posture. Mais de toute façon, voilà, chacun réfléchit. Le souci, c'est la population qui paye le coup, qui prend le coup. Jusqu'à preuve de contraire, ça n'affecte pas la population. Je pense que certains pays ont décidé d'aller intervenir au Niger. Ils peuvent y aller. Ça n'affecte pas la population. Nous avons aussi décidé de protéger nos frères nigériens. Donc, on va renforcer leur armée en cas d'agression. Voilà, c'est le peuple nigérien que nous... Parce que lorsqu'il y a une agression armée, il y a forcément des dommages. Et voilà pourquoi nous disons que nous soutenons l'armée du Niger pour protéger leur population, parce que c'est leur... C'est leur mission principale. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense, que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Pas de contribution financière de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? Contribution financière, ça sera la bienvenue. Je pense qu'on a un fonds de soutien patriotique. De coopération avec un pays. Si demain... Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de nuage entre les autorités burkinabées et celles de la Côte d'Ivoire de façon pragmatique? Nous avons vu certaines sorties et nous essayons nous-mêmes de comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que les autorités burkinabées ont fait des sorties pour agresser verbalement ou quoi que ce soit les autorités ivoiriennes. Mais nous avons vu par contre les sorties d'autorités ivoiriennes. On a vu les sorties du président de l'Assemblée, on a vu beaucoup d'autres choses qui malheureusement ont parlé du Burkina négativement, mais nous n'avons pas répondu. Voilà, parce que nous avons jugé que c'est des opinions d'individus, mais ce n'est pas l'opinion du peuple ivoirien. Voilà, donc on a décidé, mais jusqu'à preuve du contraire, ici, il n'y a pas une seule autorité
qui a fait une sortie parlant de la Côte d'Ivoire. Une lucarne sur les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous, en tant que président, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Parce que beaucoup sont intéressés à rentrer au pays pour lutter, pour défendre le territoire ou encore financièrement apporter leur contribution. Beaucoup sont déjà rentrés, qui sont sur le terrain. Et comme vous dites, financièrement, beaucoup ont contribué. Beaucoup continuent d'envoyer leur contribution à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici, même ils ont fait un congrès, ils ont contribué. Donc c'est vraiment, on les remercie, on les encourage. C'est de la Côte d'Ivoire seulement? Non, 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 beaucoup de la diaspora. Ça, il faut le reconnaître. C'est ce que j'ai dit, nous avons beaucoup apprécié le réveil. Le réveil, voilà, l'éveil de conscience et tout. Les gens aiment leur pays, ils aiment leur patrie, et peu importe où ils sont, ils pensent toujours au pays. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et cette année seulement, si vous comptez le nombre de fois, ceux de la diaspora qui ont eu des congrès ici, c'était vraiment très bien. Et à chaque fois, ils viennent y contribuer. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, tous les Burkinabés de l'extérieur, on les salue. Monsieur le Président, quelque chose marquant de notre diplomatie, c'est la cristallisation des relations entre le Burkina Faso et la France et notre rapprochement avec la Russie. C'est ce que nous sommes en train de travailler véritablement, à être autonomes, ou est-ce que nous sommes en train de travailler à nous faire encore chapeauter par un autre maître, entre guillemets? Un autre maître, c'est trop dit. Je ne pense pas que dans l'histoire de la Russie, par exemple, la Russie n'a jamais colonisé un pays. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez un seul pays en Afrique ici que la Russie a colonisé? Ou partout ailleurs? Donc, il ne faut pas comparer d'abord les deux. Les vérités d'hier peuvent toujours être celles d'aujourd'hui. Pas évident. Mais c'est pour vous dire que nous avons suivi l'évolution de notre pays avec un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, nous avons aussi suivi. On a jugé que ce n'est pas sincère. On arrête. Pourquoi depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, soi-disant indépendance, vous savez bien qu'il y a beaucoup de mots. Ça ne va pas. On produit beaucoup, on a toutes les richesses, mais pourquoi ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos matières premières sont exportées. À les transformer, on revient nous vendre encore. Donc on exporte en quelque sorte nos emplois et toute notre richesse. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan défense, on a vu avec la guerre, rien ne va. Pourquoi il faut continuer? On change de partenariat. Qu'est-ce qui garantit que la Russie sera mieux que la France à l'avenir? Les Russes suivent très bien ce qui se passe en Afrique. Et c'est parce qu'ils sont aussi anti-impérialistes que nos esprits, je peux dire, nos idées convergent. Voilà. Déjà, quand vous prenez nos équipements ici, la plupart de nos équipements sont russes. La plupart. Ils acceptent de nous vendre tout. Et vous avez vu un équipement, je dirais français peut-être ici? Il n'y en a pas beaucoup. Quelques-uns. Aujourd'hui, dans cette guerre, comme on le dit, cette année, nous avons fait l'expérience. On refuse de nous vendre, par exemple, beaucoup d'États impérialistes refusent de nous vendre ce qu'ils disent, ce qui est létal. Des canons qui se montent sur l'avion, on refuse de nous vendre. Et voilà. Et avec la France, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite payer, mais ils ne vont pas nous donner la licence. On ne va pas nous vendre. Et même avec les Américains, on a eu des soucis. Donc, les terroristes doivent avoir une arme, ils nous tirent dessus. Bon, nous, on ne doit pas avoir ce qui tue. C'est des gaz lacrymogènes, c'est autre quoi, on peut nous vendre, je ne sais pas. Si nous sommes en guerre et que nous avons des populations qui meurent, on veut se défendre, et vous refusez de nous vendre ce qui est létal, vous n'êtes pas nos amis. Monsieur le Président, on va parler des réformes politiques et institutionnelles. Alors, à quand la levée de la suspension des activités des partis politiques? La suspension, ce n'est pas de plein gré. Vous avez vu, c'est une question de sécurité d'abord. On ne souhaite pas que les gens commencent des activités politiques et qu'on soit amené à déployer des forces pour sécuriser. Parce que je pense qu'il y a eu le cas dans un pays voisin où des politiciens ont voulu faire une rencontre et des gens sont venus s'en prendre à eux. Voilà. Et ça nous a interpellés. On dit bon, c'est difficile. Nous, on veut employer les forces à autre chose. Aujourd'hui, je vous disais que beaucoup d'unités sont constituées. Vous voyez que vous ne voyez pas trop de policiers dans la rue comme ça. Voilà. On est concentré sur la guerre. On ne peut pas encore se partager pour sécuriser beaucoup de... Il y a trop de partis politiques. Est-ce que vous craignez les partis politiques au Burkina Faso? Craindre pourquoi? S'ils reprennent leurs activités avec éventuellement des mobilisations, on n'a pas fini. Non. Ça, on ne craint pas. Je vous dis que
C'est le peuple qui décide. Vous êtes sûr qu'il y aura de la mobilisation? Non, ce n'est pas assez concret. Donc si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous ne les laissez pas reprendre leurs activités sans problème? C'est la question de sécurité, j'ai dit. Si demain on dit à des gens de faire leurs activités et que des gens les agressent, qu'est-ce que vous direz? Les OSC qui mènent des activités à l'image des partis politiques. Les OSC qui mènent des activités, comme quelle activité? Il y a des organisations notamment de la société civile qui soutiennent les marches, les meetings là. Les meetings et autres. Vous êtes sûr que c'est des OSC? C'est le peuple. Parce que quand vous dites OSC, ce sont généralement des gens qui ont peut-être... Le ressenti général est qu'il y a peut-être du deux poids, deux mesures. Non, c'est un phénomène spontané. Ce n'est pas forcément une OSC qui organise une activité ou truc. C'est un phénomène spontané. C'est la masse populaire qui a compris et qui soutient. Donc là, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément une OSC qui s'est levée pour organiser un événement. De toute façon, on a suspendu pour des mesures de sécurité. Et au besoin, on analyse la situation. On va lever. Qu'est-ce que vous avez pour intention d'assainir justement cette vie politique-là? Et si oui, comment est-ce que vous comptez procéder? Bien sûr, on va assainir. Je pense qu'il y a la relecture des textes. Et vous trouvez normal même que, quand on prend le nombre de partis politiques au Burkina, vous trouvez normal qu'on ait tous les idéologies pour développer le Burkina. On a besoin de 100 000... Vous comptez donc toucher au multipartisme qui a déjà été consacré? Le multipartisme existera. En tout cas, il y aura des conditions pour pouvoir exercer, et ceux qui rempliront les conditions exercent. Monsieur le Président, il y a des gens qui manifestent tout le temps, qui vous soutiennent. Et s'il y a des gens qui veulent organiser des marches de contestation de votre pouvoir, est-ce que vous allez les laisser faire? Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. C'est vous qui êtes le Président? Oui, mais c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui a décidé que nous soyons là. Ça, il faut que vous le compreniez. Et si votre parti du peuple dit, on va manifester contre le pouvoir actuel, est-ce que vous êtes prêt à les accepter? À les accepter, c'est-à-dire qu'ils peuvent manifester. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent manifester. D'ailleurs, ceux qui veulent aller au complot, là, c'est une forme de manifestation, non? Voilà, ils peuvent manifester. Ils sont libres. Est-ce que, justement, vous pensez à la question de l'organisation prochaine des élections? Notre pari tient toujours. C'est le rendez-vous de juillet 2024? On n'est pas encore arrivé. Donc, nous, on espère que, à la sortie de la saison pluvieuse, là, on puisse avancer sérieusement dans la lutte. Et voilà. S'il plaît à Dieu. Excellence, ce n'est pas juillet 2024, mais vous le savez, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous envisagez effectivement de respecter cette échéance de la fin de la transition qui avait été retenue dans la charte? Gouverner, c'est prévoir. Très bien. Alors, le premier jour, nous avions fait comprendre aux gens qu'on souhaite juste faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Si, par exemple, certains acteurs nous avaient laissé lutter sérieusement, on ne serait même pas à cette étape actuellement. Mais les gens ont décidé de nous rendre la vie dure. Lorsque nous nous sommes rendus qu'il y avait un problème d'équipement, on a commandé beaucoup d'équipements un peu partout. Les pays amis nous ont, par exemple, envoyé immédiatement nos équipements. Et les pays qui sont encore sous le dictat des impérialistes, ou même qui sont même impérialistes, ont, par exemple, décidé de bloquer nos équipements. Ça met du retard chez qui? Qui est responsable de ce retard? Et une fois, on nous a dit ici, vous dites qu'il faut qu'on fasse vite pour faire les élections, et c'est vous encore qui bloquez nos équipements, vous ne voulez pas qu'on fasse la guerre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'ils répondent à cette question, voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tant qu'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagadougou, à Bobo et quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. Il faut que ceux qui vont postuler puissent aller partout au Burkina. Voilà, aller faire leur campagne et tout. Donc, il faut qu'on assure la sécurité d'abord. On ne peut pas se mettre... Mais pourquoi on est venu? On est venu pour la sécurité. Pour que les Burkinabés puissent vivre dignement et tranquillement. Et une fois que ça s'est assuré, les gens pourront circuler librement, aller où ils veulent, faire leur campagne. Et là, permettre à tous les Burkinabés de choisir leur président. C'est ce que nous souhaitons. Donc aller aux élections n'est pas une priorité absolue pour vous pour le moment? Ce n'est pas une priorité, ça je vous le dis clairement. C'est la sécurité qui est la priorité. On parle de réformes politiques au Burkina Faso, nouvelle constitution, entre autres, référendum. Est-ce que vous y pensez actuellement? Les textes actuels ne nous permettent pas,
de pouvoir évoluer sereinement. Parce qu'il y a beaucoup d'idées. Qu'est-ce que vous reprochez à cette constitution actuellement? De toute façon, ce que je vous dis dans les jours à venir, la modification partielle, vous allez voir ce que ça concerne. Et on va toucher à un volet. Nous sommes en Afrique. Oui. Vous ne trouvez pas, nous imaginons par exemple que les différentes confessions au Burkina, les sages, toutes les représentations des différentes ethnies, tout cela, vous ne trouvez pas qu'ils puissent donner un avis dans les décisions qui doivent être prises? Parce que cette constitution, c'est uniquement l'avis d'une poignée de personnes éclairées. Mais la masse populaire, là, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc nous souhaitons, par exemple, faire des ouvertures. Voilà. Et on trouve que ces leaders coutumiers, religieux et tout, ces leaders dans les différentes communautés. Vous envisagez donc d'intégrer certaines approches participatives? Bien sûr. D'accord. Il faut que les gens puissent, sur certaines décisions importantes, donner des avis. Excellence, on va aussi s'intéresser à la question des libertés fondamentales, notamment avec ce sujet majeur qui est celui de la justice. Vous savez, au sein de la justice, il y a de très bons acteurs, comme il y a de mauvais acteurs. Et vous le savez très bien. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre aujourd'hui toutes ces affaires qui sont passées et il n'y a rien eu. Et vous-même, journaliste, là, il faut que vous vous intéressez à certains sujets. Voilà. Combien de gens ont été dans des erreurs graves, dans des crimes économiques, mais il n'y a rien. Ils ne sont pas poursuivis. L'autre jour, je suivais, il n'y a pas longtemps, sur la RTB, par exemple, le débat sur le stade du 4 août. Qu'est-ce qu'il y a? La justice est libre, indépendante. En tout cas, nous n'avons pas dit à quelqu'un de ne pas poursuivre les procédures. Pourquoi ils ne le font pas? Il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes ici, des crimes économiques, qui ont pillé l'argent du peuple, mais qui sont libres. C'est ça qu'on veut régler. Vous vous souvenez, à la rentrée de l'année passée, la rencontre avec les CSM, j'ai dit qu'il faut qu'on change la manière de faire la justice même. Mais il n'y a pas eu de proposition. Il faut que la justice soit pour tout le monde. Voilà, moi, mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire non, le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des choses. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille. C'est ça le problème. Donc il faut qu'on réforme. On ne peut pas se comparer aux Européens sur ce volet-là. Ils sont loin en avance. On ne peut pas prendre les textes et puis venir appliquer ici. Moi, je suis farouchement contre la prison. C'est pourquoi j'ai dit depuis l'année passée au CSM, je veux qu'on puisse modifier les textes pour que lorsque quelqu'un qui part voler un mouton, ben dans un garage, il a volé un moteur, aller vendre quelque chose. Il cherche, on sait bien qu'il a faim. On part le faire travailler. Il va rembourser ce qu'il a volé. Donc les détenus pourraient être des VDP à l'avenir pour le Burkina Faso. Ils vont travailler. Si dans les prisons, les gens commencent à vous dire nous voulons aller nous battre pour la nation, vous êtes prêts à libérer ces bras valides-là qui sont dans nos prisons pour aller lutter pour le territoire? Mais ils vont aller, ça dépend de ce qu'il a fait. Si ce n'est pas un criminel. Okay. Parce que j'ai dit la prison, c'est pour ceux qui tuent. C'est-à-dire les criminels. Et quand on dit criminels, il y a les criminels, les tueurs en série. Il y a aussi ceux qui font les gros crimes économiques. C'est des criminels parce que par leur faute, des gens meurent. Eux, il faut la prison. Mais même le crime économique, je suis d'accord pour la prison, mais il doit rembourser ce qu'il a volé d'abord. Aujourd'hui, les gens volent des milliards, on les attrape, on les met en prison. Il accepte purger sa peine, il sort, il bouffe ses milliards. Il n'y a rien. Monsieur le Président, on va parler de la radio Omega. C'est vrai que la suspension a été levée. Alors, est-ce qu'on doit comprendre à travers ce message, ce sophisme, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous? Ce n'est pas ça. Voilà, il ne faut pas prendre ça sur cet angle-là. Les libertés individuelles ne doivent pas primer sur les libertés collectives. Il faut que les gens comprennent ça. Secondo, il faut savoir communiquer. On est en guerre, il faut savoir communiquer. Et il faut pas. Soit vous êtes avec la patrie, ou bien vous êtes contre la patrie. Peut-être que d'autres communiquent sans savoir ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a des sessions de formation que je vois souvent, qui sont organisées au profit de vous les journalistes, pour vous mettre dans la communication des guerres. Je pense que chacun doit voir ça. Mais je me dis que les gens font exprès. Sinon, vous suivez les chaînes internationales. Lorsqu'il y a un conflit,
vous les suivez et vous savez très bien qu'est-ce que c'est que la communication de guerre. Parce que dans la guerre, généralement, vous prenez parti pour une des parties ou pour l'autre. Donc, pourquoi ici, votre pays est en guerre et vous ne pouvez pas soutenir? Moi, je vous dis que en brousse, il arrive que les hommes suivent tout des médias. Il y a des moments, vous pouvez voir quelqu'un énervé toute la journée parce qu'il a vu quelque chose dans un média. Et vous pouvez voir quelqu'un aussi très content parce qu'il a vu quelque chose d'autre. Donc, il faut savoir communiquer en temps de guerre. Nous sommes actuellement en temps de guerre. Est-ce que vous songez, par exemple, à établir de nouvelles règles de fonctionnement des médias? Et subsidiairement, Monsieur le Président, je voudrais savoir si dans l'ensemble, le durcissement du ton du gouvernement à l'endroit des médias est la signification du fait que vous n'êtes pas satisfait du travail général qui est abattu par ces médias. Pas satisfait, ce que je disais, peut-être par méconnaissance pour certains, mais beaucoup font déjà très bien leur travail. Pourquoi on ne reproche pas à tous les médias? Ce n'est pas à tous les médias qu'on fait des reproches. Je vais vous dire quelque chose. La guerre, c'est quelque chose d'assez bizarre. Lorsque on est combattant sur le terrain et qu'on part dans une bataille, il y a deux situations qui peuvent arriver. Vous remportez la bataille sans investir les lieux. Ou bien vous remportez la bataille, vous investissez les lieux. Ça veut dire que quand vous investissez, vous pouvez voir tous les dégâts que vous avez causés. L'ennemi que vous avez tué, le matériel que vous allez remporter, en tout cas tous les détails, et vous repartez. Lorsque vous gagnez une bataille et que vous avez tous les détails, c'est de l'extase. Vous êtes très content. Et ça vous motive à aller demain, à repartir à l'offensive. Ça, c'est très important. Ok, l'ennemi, ce sont des combattants. Ils réagissent de la même façon. Aujourd'hui, il est très difficile pour eux de venir mener des batailles contre nous et investir les lieux. La plupart du temps, dès qu'ils viennent, ils tirent, ils ramassent leur corps et ils fuient parce qu'ils ne veulent pas rester que les vecteurs aériens viennent les trouver sur place. Ça veut dire qu'ils ne savent pas très souvent qu'est-ce qu'ils ont causé comme dégâts. Lorsqu'on donne à l'ennemi ces informations, ok, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez fait tant de dégâts, ça l'encourage à revenir et à reprendre. Et vous savez bien que même ceux-là qui ont créé la liberté d'expression dans leur guerre, il y a des moments où on ne communique pas sur certaines choses. Mais il faut reconnaître aussi que quand même les médias ont beaucoup aidé à améliorer les conditions des soldats sur le terrain. Parce que si ça ne se savait pas, beaucoup de choses, vous êtes président aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain dont vous n'avez pas connaissance. Et les médias peuvent être là pour critiquer, pour que ça puisse changer dans le bon sens. On préfère que si vous avez une information qui concerne les soldats sur le terrain, que vous puissiez écrire et venir. Venir à quel niveau? La direction du protocole est là. Oui. Vous prenez contact. Porte est ouverte à tout le monde, sans problème. À tout le monde. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai reçu des journalistes ici, même de Omega. La porte est ouverte. Tant qu'on a le temps, on a la capacité. C'est pas qu'on est contre quelqu'un ou quelque chose, non. Tant qu'on a le temps, on reçoit tout le monde. Si on n'a pas le temps, on vous dit de déposer vos propositions au niveau de la direction. Voilà. Il y a certains à qui on a dit d'écrire leurs propositions et puis venir déposer. S'il y a des choses qui ne vont pas, en quoi est-ce que vous partez dire ça, c'est quoi l'objectif? Non. Donc, si les gens ne savent pas, s'il y a des propositions concrètes et que, ou bien il y a des constatations sur le terrain qui concernent la vie des soldats, il ne faut pas exposer ça à l'ennemi. Venez, vous écrivez, vous venez. S'il y a le temps, même on vous reçoit en même temps. Vous exposez la situation et on vérifie. Donc vous n'avez aucun problème avec les médias burkinabés? Aucun. Excellence, il y a aussi la réquisition. C'est un nouveau mot qui est rentré dans le quotidien des Burkinabés. Tant il est perçu comme une épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des citoyens. Alors, certains estiment que donc la réquisition est désormais brandie comme une arme de dissuasion. De toute façon, c'est réglementaire, non? La mobilisation générale, la mise en garde, c'est réglementaire. C'est ça? C'est vous qui dites c'est l'état de droit. C'est l'état de droit, c'est réglementaire. Lorsqu'on est en guerre, on peut prendre certaines dispositions. On peut réquisitionner tout le monde. Récemment, on a un anesthésiste réanimateur qu'on a pris, on l'a vu en tenue avec une arme. Est-ce que c'est son rôle d'aller faire la guerre à la place des militaires, par exemple? Parmi les VDP, je vais vous dire qu'il y a des gens, chefs de projet, en tout cas des entrepreneurs, des gens très bien posés. Ça, ce sont des volontaires. J'arrive. Qui se battent. Leur rôle premier, c'était pas ça. Mais ils ont vu la nation en péril. Ils ont décidé de s'engager. Ça, c'est du patriotisme. Ceux qui n'ont pas ce courage de le faire,
encourager donc ceux qui se battent d'une certaine façon. Est-ce que vous parlez de médecins anesthésistes? C'est son travail de critiquer, de voilà. Ce qu'il fait là, est-ce que c'est son travail de médecin? Mais c'est un citoyen burkinabé. C'est même pas critiquer, c'est souvent des injures, des débordements. C'est son travail. Vous savez, on respecte tout le monde, il faut respecter aussi les gens. Est-ce que c'est une punition? Voilà. Non, ce n'est pas une punition. Il ira là-bas prouver ce qu'on aurait dû faire. Voilà, il va contribuer. Et puis, les médecins militaires, il y en a. Hein. Ou bien, qui dit qu'il ne peut pas servir là-bas? Voilà pourquoi on tient à ce qu'il soit même entraîné au maniement un peu des armes avant de partir. Donc, sinon, tout le monde peut s'attendre du jour au lendemain à être réquisitionné pour aller au front. S'il le faut, tout le monde ira. On va parler d'économie, relance, création d'emplois et engagement patriotique. Et pour venir à bout de leaders terroristes, Excellence, vous l'avez dit, il faut de l'argent pour développer le pays aussi. Vous avez donc initié un fonds de soutien patriotique. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfait de l'engagement des citoyens? Oui, je suis satisfait, il faut le dire. Et c'est à saluer. Les Burkinabés ont accepté de consentir d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, c'est ce que on passe le message souvent aux soldats lorsqu'on passe dans certaines garnisons. Le peuple a accepté de se saigner. Le peuple a accepté. Il y a des taxes qu'on a imposées, il y a voilà, un certain nombre de choses qu'on a, on a dû faire pour pouvoir financer notre gain. Pour les citoyens burkinabés, même s'ils ne parlent pas, la vie chère est là. Les Burkinabés ont accepté volontairement de contribuer. Quand on est parti d'abord sur le fonds de soutien patriotique, au début on avait dit qu'on allait retenir 1%. C'est ça, non? Il y a des gens qui ont dit que non, ça ne peut pas se faire parce que les fonctionnaires souffrent déjà beaucoup trop, ainsi de suite. On a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est volontaire. Dans le volontariat, vous savez combien de fonctionnaires sont venus souscrire? D'autres même demandent à ce qu'on prenne plus que 1%. Nous, on dit, on rend grâce à Dieu. Et tout ce qu'on a fait, en termes de taxes et autres, les Burkinabés ont accepté. Parce qu'ils ont compris que personne ne viendra financer cette guerre. D'ailleurs, même avec tout ce qu'on récolte, voilà qu'on veut payer, c'est certain, ils bloquent notre argent. Mais il faut qu'on sauve le pays. Et les gens ont compris ça, c'est à saluer. Et nous, on ne peut que remercier ce peuple-là pour avoir compris le sens de notre combat, pour avoir compris l'idéologie que nous développons. Vous allez avoir de nouvelles taxes encore? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles taxes encore au Burkina Faso? Ou bien on s'arrête là pour le moment parce que ça commence à peser un peu sur le panier ménager. Depuis que les dernières taxes, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles taxes encore. Hein. On observe. Je pense qu'actuellement, on acquiert beaucoup de choses grâce à ce fonds-là. Donc, ça suffit. Si on veut passer à une autre étape, on tiendra à informer le peuple. On ne va pas faire quelque chose d'assez voilà, contraignant sans informer le peuple. Donc pour l'instant, en tout cas, ça arrive à nous soulager. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, il n'y a pas cette personne. Je vais vous dire, les combattants là, tout le monde est conscient que ça a changé sur le volet logistique en un laps de temps. Que ce soit l'armée des terres, que ce soit voilà, les différents combattants, la gendarmerie, la police, police municipale, les eaux et forêts, les GSP, tous ceux qui n'avaient pas d'armes ont des armes aujourd'hui. Ce sont des corps déjà constitués. Ce sont des corps constitués et qui, quand on prend le cas de la police, pendant longtemps, nous on a suivi toute la guerre là, les armes qu'on appelle les PKM et autres, ils ont réclamé ça pendant longtemps. On n'a pas donné. Nous on a décidé par exemple de les doter. On les a dit de se constituer en unité, on va les doter. On les a dotés plus que ça. Mais ils sont sur le terrain, ils le prouvent. On a eu raison. Ça crée de la sécurité dans plusieurs zones qu'ils ont occupées et qu'ils sécurisent. Les eaux et forêts, ils étaient aussi dans leurs forêts. Avec, on a été interpellés plusieurs fois depuis certains mois. D'autres étaient à 7, à 14, avec, ils ont dit qu'ils ont deux calages ou quoi. Aujourd'hui, ils sont tous équipés. Ils rentrent en bourse avec les BDP. Ils sont contents. Ça fait quoi? Ça fait plus de sécurité pour les citoyens. Voilà. Ça, c'est important parce que lorsque quelqu'un est tenu dans une zone assez turbulente et qu'il n'a pas le minimum pour se garder lui-même, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi on a assez misé sur ça, les équipements et même la logistique, les moyens roulants et tout. Vraiment, tout ça, c'est aussi au compte du peuple. Certains estiment également qu'on ne part pas chercher l'argent là où on peut en trouver suffisamment, notamment dans les dossiers de crimes économiques et aussi au niveau de certains travailleurs qui semblent plus nantis que le commun des travailleurs. On ira chercher où il faut. Concernant les crimes économiques, moi, je vous dis de repartir. Voilà, c'est qu'il faut les unités d'investigation, là, repartir voir la justice pour qu'ils sortent les dossiers et qu'ils jugent.
Et la dette intérieure, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui souhaitent qu'on paye la dette intérieure, oui, et relancer l'économie. Ça a commencé, je pense qu'il n'y a pas trop de retard. Mm-hmm. Voilà, le Trésor, il règle ça, en tout cas au fur et à mesure. Je suis ça. Voilà, c'est vrai, on avait mis un frein à un moment donné, parce qu'il fallait vraiment s'équiper. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu pendant un temps donné, mais bon, c'est assez compliqué. Quand vous recrutez, par exemple, on a lancé pour les VDP, on fait rentrer 5000 VDP et vous vérifiez pour voir si on peut les équiper tous. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? On va les former, les laisser sortir, on va aller les tuer. Parce que s'ils repartent chez eux, on va les tuer. Il fallait les équiper en urgence. Il faut. Donc ça fait qu'on a dû bloquer un peu certaines factures au niveau des entreprises pour payer de l'équipement en attendant de mettre en place le fonds. Le fonds est mis en place maintenant, ça fonctionne. Donc je pense que les entreprises, en tout cas beaucoup, sont en train d'être soulagées. Oui, mais certaines entreprises demandent à ce qu'elles soient exonérées de certaines taxes compte tenu de la situation. Exonérées? Non. D'abord, même les taxes que nous on a instituées, la plupart, quand ce soit la boisson ou autre, la téléphonie, ce n'est pas les entreprises, hein. C'est les citoyens qui payent. Pour l'instant, on n'a pas touché une entreprise proprement dite. C'est les citoyens qui payent. Lorsqu'on a augmenté le prix de la boisson, c'est augmenté chez vous aussi, non? Bien sûr. Vous avez mis également en place l'actionnariat populaire en appelant à l'engagement de tous. Et récemment, vous étiez à Bobo pour la pose de la première pierre d'une usine de transformation de la tomate. Peut-on en déduire que l'initiative se porte bien? Oui. Une fois de plus encore, moi je dis, on rend grâce à Dieu que les gens aient compris l'esprit qui est derrière cette idéologie-là. Les déventions ont parlé beaucoup de ça. D'autres ont voulu initier, mais c'est un système qui a été combattu. Pourtant, c'est un système qui marche. Nous, ça nous fait mal de voir aujourd'hui. Vous êtes déjà allé sur un site d'orpaillage? Oui. Voir dans quelles conditions les jeunes Burkinabés travaillent. Le courage qu'ils ont de faire ça. Par exemple, on veut semi-mécaniser ça un peu. Pour qu'au moins, ils puissent soustraire le maximum de leur labeur et que ça puisse aller de façon un peu plus mécanique. Ça fait partie des missions de l'APEC. Tout ce qu'on produit ici, vous êtes d'accord que on produit tous ces... Quand on prend les produits de première nécessité, l'huile, le lait, comment je vais dire, même ces pâtes de tomates qu'on a... Vous trouvez normal que nous, on cultive l'arachide, le soja, le sésame, tout ça, nos noix de karité, tout exporté, et ensuite payer encore l'huile de l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez normal qu'on laisse nos producteurs produire la tomate? Que des gens viennent d'ailleurs, la caisse qu'ils pouvaient vendre à 30 000 ou combien? On paye à 1 000 francs, on part, on transforme en pâte, on revient nous vendre. Non, ça va, on a réfléchi, on a pensé. Il faut qu'on ait beaucoup d'entreprises de ce genre-là, pour la transformation, pour la mécanisation, pour en tout cas beaucoup de choses. Comment financer? On a pensé à ce modèle. Et le peuple finance. Est-ce que vous avez des garanties que cet argent va bien être utilisé pour éviter éventuellement que les gens souscrivent et que l'argent se retrouve éventuellement détourné? Je suis ça de près. Voilà ce qui a mené d'ailleurs à pouvoir poser la première pierre et commencer la construction de la première usine. Et ça continue. Donc celui qui va voler 5 francs d'un Burkinabé dans cette affaire, il sera face à vous. C'est ça que j'appelle un crime. Oui. Voilà. Ça, ce n'est pas tolérable. Et je pense que ceux qui sont au niveau de l'APEC le savent. On a fait d'ailleurs une visite là-bas dernièrement. On ne peut pas s'amuser. Et d'ailleurs, les citoyens suivent ça aussi. Tous ceux qui souscrivent, voilà, ils suivent. Il y a des plateformes, si ce n'est pas déjà prêt, où les gens pourront suivre les souscriptions et l'évolution. Et ça évolue très bien. Et depuis un temps donné, on est très satisfait. Ça, vraiment, on remercie beaucoup le peuple qui a compris, que ce soit le Burkina de l'intérieur, surtout de la diaspora aussi, parce qu'il y a carrément un bureau qui s'occupe de la diaspora. Et ça se porte très bien. La production agricole va mobiliser 3000 militaires et des PDI. Alors, pour la production de 190 000 tonnes de céréales et de légumes. Alors, le problème est que ça s'inscrit dans une période bien définie, 2023-2024, alors qu'il y a jusqu'à plus de 2 millions de Burkinabés qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Alors, quel est votre commentaire? Oui, l'initiative est lancée et ça se porte très bien. On a pu faire le point. Je pense que même, ils ont dit qu'ils vont faire un point encore au peuple ces jours-ci. Ça se porte très bien. C'est d'ailleurs au-delà de nos attentes en termes de superficie qu'on voulait enlever et tout. Et les militaires des VDP y participent.
Voilà. C'est l'autosuffisance alimentaire qui est en ligne de mire. Ça, c'est l'objectif. Il faut qu'on y arrive et c'est possible. Pendant combien de temps éventuellement dans vos prévisions? Alors, il a dit tout de suite que l'initiative c'est 2023-2024. Ce n'est pas exclu que ça y ait extension, mais au niveau du ministère de l'Agriculture, on nous a demandé un travail. Ils nous ont fourni donc dernièrement un document qu'on a autorisé en Conseil des ministres, l'offensive agricole. C'est là-bas en fait que ça sera plus large parce que c'est le ministère qui doit s'occuper de ça par vocation. Donc ça aussi ça sera lancé tout de suite. L'objectif, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, en tout cas, à l'horizon 2025. Et ça sera piloté par le ministère. Ce sont des initiatives qui visent en tout cas à occuper la jeunesse qui est en quête également d'emploi. Et lors de la commémoration de la journée internationale, vous aviez lancé un appel à l'entrepreneuriat. Quelle est votre vision, Excellence, pour cette jeunesse? On a encouragé l'entrepreneuriat bien avant d'être là-bas. Je pense que les conseils des ministres avant, où vous avez vu que les PME, par exemple, on a travaillé à élaguer beaucoup de taxes autour. C'est pour encourager les gens parce que nous avons de la chance d'être aussi de vivre dans la masse populaire. Les jeunes qui ont un peu, qui veulent créer des petites entreprises, souvent se retrouvent confrontés à beaucoup de sortes de taxations. Ils n'arrivent pas à accès au marché. Il y a beaucoup de jeunes qui créent. Après, voilà. Ils n'ont même pas accès au marché public et autres. C'est des problèmes à n'en pas finir. Tout ça, on a facilité. Oui. Donc, j'ai dit d'élaguer tout ce qui est taxes autour. Et l'accès au marché aussi. Et voilà, on a facilité beaucoup de choses actuellement. Et on continuera de le faire. C'est pour encourager les jeunes à entreprendre et pouvoir les accompagner. Et d'ailleurs, dernièrement, c'est ce qui a amené à rencontrer donc les banquiers là, où on les a demandé, on attend toujours, qu'ils nous fassent des propositions. Même s'il faut que l'État puisse trouver des garanties pour que les jeunes puissent avoir les prêts à des taux vraiment acceptables dans les institutions financières pour se lancer. Il le faut. Sinon, si on ne va rien changer... Mais certains jeunes aussi ont eu à prendre des prêts, ils n'ont jamais remboursé. Il y en a qui ont pris des prêts pour faire autre chose. Est-ce que vous allez vous doter de toutes les garanties pour éviter également ces mêmes erreurs de par le passé qui ont été commises? C'est vrai, c'est réel. Il y en a qui ont pris, bon, peut-être par inconscience ou truc, mais on mettra tous les garde-fous. Et puis surtout, il faut les accompagner. Il ne faut pas juste donner un prêt et puis bon, le laisser comme ça. Il y a beaucoup... Actuellement, donc, au ministère de la Jeunesse, il y a des fonds qui donnent les prêts. Dès le début, on a demandé donc, la situation des fonds. On a vu réellement qu'il y a beaucoup de prêts non remboursés. Voilà. Donc, nous avons dit de mettre un mécanisme en place, de sorte que lorsque les jeunes viennent pour demander les fonds, il faut les aider d'abord à bien modeler leur projet. Une fois que ça s'est fait, il faut les accompagner. Donc, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place, que le ministère est en train de mettre en place. Vous avez suivi ? Pour accompagner donc ceux-là qui amènent les projets. Il ne s'agit pas de leur donner les fonds et ils se débrouillent. Il faut l'accompagner, il faut le conseiller, il faut le guider et les trouver des débouchés aussi. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire pour que ce soit un tout. Pour qu'on les... Sinon, si vous les donnez, bon, ça, il peut être tenté de faire autre chose que ce même pourquoi il est venu chercher donc, le prêt. Alors, Excellence, on est pratiquement au terme du temps, en tout cas, qui nous était imparti, mais on aimerait avoir très rapidement quelques réactions de votre part par rapport à certains sujets d'actualité. Tout à l'heure, on a évoqué le cas du stade du 4 août, 11 milliards comme somme initiale, des travaux engagés, non homologués par la FIFA, beaucoup à refaire, et bien évidemment, une facture qui va s'agrandir avec ce que nous avons comme aménagement de nos ressources financière. Qu'est-ce que ça vous fait comme ressenti lorsque vous entendez toutes ces choses? Non, c'est peinant. Je pense que ce n'est pas le seul cas. Il y a beaucoup de situations comme ça, des marchés qui ont été passés, voilà, des montants pas possibles et puis le travail. Vous avez vu la route de Kourougou par exemple? Ça existe dans ce pays-là. C'est ce que là encore j'interpelle voilà, nos amis de la justice. De s'auto-saisir de certaines questions et de faire la lumière. Là, on a demandé toute la situation au ministre, qui nous a amené clairement la situation. Et je pense qu'il a été sur... c'est à la RTB, non? Mm-hmm. Voilà, ils ont eu un débat. Oui, il vous a dit clairement, non? Mm. Ça n'a rien respecté comme procédure. On ne sait même pas... Mais nous, on attend aussi d'être éclairés. Est-ce que les gens vont aller en prison pour ça? Ça dépend de la justice. Parce que on m'a dit que des gens avaient été interpellés, auditionnés et puis relâchés. Mm-hmm. Monsieur le Président, le souci était qu'il avait même du mal à pointer du doigt les principaux responsables. Il n'y a pas du mal si les gens font leurs enquêtes. Il y a des responsables qui étaient là.
qu'on les interpelle. Il y a forcément un responsable. Lorsqu'il y a une dépense au niveau du gouvernement, il y a un responsable forcément. On ne peut pas... La dépense ne s'est pas faite toute seule. Donc, il ne faut pas... Si les agents n'ont pas été mêlés et que ça a été fait dans une bulle, il faut qu'on retrouve cette bulle-là. Qui a fait et a ordonné? C'est tout. Donc, moi, j'invite les gens à aller jusqu'au bout, qu'ils continuent les enquêtes et qu'ils disent la vérité au peuple. Qui a fauté? Qui a dilapidé de l'argent parce que la CAF n'était pas au courant? Voilà pourquoi ils sont venus trouver qu'ils ont fait un travail bâclé. Il faut reprendre. Monsieur le Président, une autre question. La presse avait fait cas de la lettre de votre prédécesseur Paul-Henri Sandaogo Damiba qui souhaite rentrer. Vous avez reçu la lettre de Damiba en question? Oui. Il veut quoi exactement? C'est comme vous l'avez dit. Rentrer au pays. Est-ce que vous allez lui faciliter la tâche pour qu'il rentre au Burkina? On n'a pas dit à quelqu'un de quitter le Burkina. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, il est libre de rentrer quand il veut. Mais on n'a pas de garantie pour... Des garanties? Quelle garantie? C'est un citoyen. Donc, il rentre au pays quand il veut. Certains étaient partis avec lui. On comprit après, ils sont revenus. Mais lui aussi, il peut revenir quand il veut. Une année après votre arrivée au pouvoir, est-ce que on peut espérer à ce que vous fassiez, vous procédiez à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Parce qu'on voit que, en tout cas, il y a certains caciques ou certaines compétences, certaines anciennes compétences qui ont été mises à l'écart jusque-là. Est-ce qu'on peut espérer que vous élargissiez, en tout cas, votre choix en matière d'hommes pour vous accompagner dans la gestion de ce pouvoir? Il y a beaucoup de compétences au Burkina. Nous, on les découvre au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas une compétence unique. Il y a beaucoup de compétences. Donc, je ne pense pas qu'on doit être figé sur certains individus. Si on doit prendre en compte toutes les compétences, peut-être que chaque semaine, on va changer de gouvernement. Mais un an après, est-ce que vous vous dites, c'est bon que j'essaie de revoir mon équipe? Ce n'est pas une histoire de un an. À tout moment, c'est combien de mois après on a fait le premier émaniement? À tout moment, on a des objectifs qu'on donne. Si ce n'est pas atteint... L'autre question, M. le Président, est-ce que vous pensez à l'après-présidence du FASO? Vous avez dit au début que vous n'aimez pas le pouvoir parce que c'est des problèmes. Un an après, est-ce que vous dites que cette affaire-là finisse vite pour que moi je reparte dans ma vie militaire sans angoisse, sans contrainte? C'est comme vous l'avez dit, en venant ici, nous, on n'est pas venu dans cet objectif. Mais à présent, le peuple nous a confié une mission. Et nous avons juré de ne pas trahir le peuple. Et nous accomplissons notre mission. Ce qui va venir après, ça ne nous regarde pas. Parce que si vous pensez à votre avenir, vous ne pouvez pas gouverner nos États-là. Ça, je peux vous assurer. Si vous pensez à votre avenir, si vous avez peur, vous ne pouvez pas gouverner nos États-là. Vous voulez rester président à vie ou qu'est-ce que vous dites? Président à vie, vous pensez que c'est possible? Ah, tout est possible. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un. Bon, c'est vrai qu'on le voit ailleurs. Hein. Mm-hmm. Vous allez vous fatiguer à un moment donné. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Non. Tant que moi, je vois le peuple debout, on n'est jamais fatigué. Je vous dis que c'est une vie difficile. Et voilà pourquoi j'ai dit, si vous pensez à votre vie ou bien vous pensez à l'avenir, vous savez combien de compromissions on vient pour nous faire faire ici? Combien de propositions? Si nous on pensait à l'avenir, peut-être qu'aujourd'hui on serait déjà des multimilliardaires. Parce qu'il y a tellement de gros contrats. On vous envoie des valises souvent? Pas des valises. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Quand vous prenez l'aéroport de Donsin, on vient vous négocier avec vous, il faut signer pour qu'on vous donne par exemple 5% sur les 30 ans. Si j'accepte, imaginez ça fait combien de milliards? On ne va pas hypothéquer l'avenir de notre patrie là pour ça. On n'est pas venu pour ça. Vous prenez l'hôpital de radiothérapie là, c'était mort. C'était fermé. Bogodogo. Voilà. Mm. Pendant qu'on nous a aidé à avoir ça pour soigner les cancers ici. Voici des choses où on a eu des propositions. Et puis c'est des Burkinabés, hein, des milliardaires burkinabés qui sont venus nous faire des propositions. Voilà. Si on les donne pour qu'ils en fassent une clinique, on aura, c'est sur toute la vie, hein, tel pourcentage dedans. On dit non. Nous, on veut réouvrir ça pour que ça serve aux Burkinabés. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de propositions. On dit on ne veut pas. Il s'est réouvert actuellement. On soigne gratuitement les cancers des enfants. Cancer de prostate et de sein, c'est gratuit. C'est les autres cancers qui sont payants. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Donc c'est pour vous dire, si vous pensez à l'avenir, vous, votre propre avenir, vous ne pouvez pas diriger nos États. Il y a la pression. On vous fait toutes sortes de pressions, des menaces, du tout. Mais nous sommes là pour le peuple. Donc vous avez des insomnies au quotidien? Insomnies?
Pas d'insomnie. Parce que nous n'avons pas, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur? Non. Excellence, une année après être arrivé dans le fauteuil présidentiel, d'adresser un mot à l'ensemble de la population avant qu'on ne referme donc ce temps d'échange. Le mot qu'on peut adresser, c'est remerciement. Remerciement pour la confiance placée en nous et remerciement pour la confiance placée à l'idéologie que nous sommes en train de développer. Remerciement pour leur esprit panafricain, parce qu'il faut reconnaître que le peuple, si nous sommes dans un esprit de révolution panafricaine et que le peuple soutient, ils sont dans le même esprit. Donc nous ne pouvons que les remercier pour tout ce qu'ils font. C'est une confiance qu'on a. Sinon, on n'aurait pas lancé la paix qui peut avoir des souscriptions. On n'allait pas lancer les fonds de soutien et avoir des souscriptions. Le peuple a eu confiance en nous. On peut les rassurer que nous n'allons jamais briser cette confiance. Et on ne peut que les remercier et les demander de rester en veille et surtout de rester à l'écoute des vraies informations qui puissent provenir donc, voilà, de nous. Et parce qu'il y a souvent trop de fausses rumeurs qui peuvent amener les peuples à commettre l'irréparable très souvent. Et donc, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est de faire attention aussi à ces réseaux sociaux et qu'on continue à se faire confiance. Lorsqu'il y a une information qui est là, on pourra le leur donner clairement et qu'on puisse avancer sereinement dans la construction de notre patrie-là, voilà, avec tout le monde. Merci donc, Excellence, pour cet entretien qui a duré plus d'une heure d'horloge et qui s'est voulu en tout cas sans tabou. Nous espérons que les Burkinabés y ont trouvé réponse à leurs préoccupations. Merci à mes confrères Patenema Ouedraogo des éditions Sidoya et Ismaël Ouedraogo de Burkina Info. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.